celui-là qui va me couvrir de titres si je te tue. Ok, désolé, garde l'argent, je n'en veux plus du tout. Et laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille avant que tu me tues. Aïe. Aïe. Écoute. Écoute-moi très bien. Chaque fois que je voudrais coucher avec toi, tu viendras me servir sans que je ne te paye. Mm-hmm. Est-ce que je suis assez clair? Oui, oui, oui. Maintenant, sors d'ici. Aïe. Sors. Aïe. Allez, sors. Idiote. Hey, Michael. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, merci Seigneur. Kobe, depuis que je t'attends là, je t'ai tellement attendu, je me suis inquiétée. Hey! Kobe, tu pleures. Kobe, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Max m'a giflé. Max m'a giflé et m'a mise à la porte de chez lui. Non, non. Mike t'a fait ça? Oui. Après m'avoir chevauché trois fois. Écoute-moi bien, trois bons taux. Et tout ce qu'il a pu faire, c'est me gifler pour avoir demandé mon argent. Kobe, alors ce petit garçon t'a fait tout ça. Ok, je m'en vais chez ses parents rapporter toutes ces conneries, oui. Écoute, il ne faut pas te déranger. Ne te dérange même pas un peu. Ce n'est pas utile. Alors, Mike va juste s'en tirer comme ça après t'avoir fait toutes ces choses? Mais écoute-toi. Écoute-toi. Quel est le bien que cela nous fera de nous battre avec Mike? Dis-moi. Laisse-moi te dire. Il m'a regardé dans les yeux et m'a appelé prostituée. Et tu sais quoi? Il a raison. C'est ce que nous sommes dans ce village. Alors, Kobe, et alors? Non, dis-moi, et alors? Quel droit Mike a ou quiconque de ce village de t'insulter ou de m'insulter? Quel droit? S'il te plaît, tu peux parler tout le français que tu veux. Ce que moi, je veux maintenant, c'est de manger quelque chose. Et moi, j'ai très faim. Mon ventre me pique, s'il te plaît. Je veux manger. Permets-moi. Juste permets-moi d'aller voir ce gars de lui apprendre une leçon. S'il te plaît, ne te dérange pas à faire ça. Et maintenant, là, moi, j'ai faim. C'est tout. J'ai faim. Je suis en train d'utiliser la dernière force que j'ai pour te parler. Moi, j'ai faim. Je pars. Je n'ai même plus la force pour bagarrer. Hey! Que fais-tu ici? Bébé, c'est bien de te voir à nouveau. S'il te plaît, pourrons nous asseoir quelque part et causer probablement dans ma voiture. Parler de quoi? De quoi veux-tu qu'on parle? S'il te plaît, prends ça calmement, ok? Je ne vais pas te prendre le temps, je t'assure. S'il te plaît, essayons de parler de nous, de notre futur. C'est fini! Ne comprends-tu pas? Il n'y a rien entre nous, il n'y a pas de futur. Pourquoi ne l'acceptes-tu pas dans ton cerveau? Mais bébé, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Oh oui? Et que ferais-tu de plus de 40 clients que je sais et qui me payent? Est-ce que tu me payes avant de coucher avec toi? Excuse-moi? Oh, s'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. Oh, tu penses que tu es le seul homme que je couche avec, hein? Tu es sûrement malade. Bébé, écoute, je t'aime beaucoup, ok? Et je suis prêt qu'on mette ton passé derrière nous, ok? Aussi longtemps que tu pourras rester avec moi et être sans moi tout seul. Oui, compris, bien, bien parlé. Tu veux que je reste avec toi seul, n'est-ce pas? Bien, j'accepte de rester avec toi seul. Qu'est-ce que tu vas me donner en échange pour ça? Est-ce que tu pourras m'acheter n'importe quelle voiture de mon choix? Peux-tu payer une somme de 50 millions de naira dans mon compte aujourd'hui? Ou peux-tu m'acheter un bateau? Qu'est-ce que tu peux me donner si je décide de rester avec toi seul? Tu es seulement un petit garçon, tu ne peux pas prendre soin de moi. Ok, s'il te plaît, entre dans ta bouette et va-t'en. Parce que si je vais à l'intérieur et je reviens, je vais brûler ça. Je te le promets. Parce que si je rentre à l'intérieur et je viens trouver cette bouette, je vais brûler ça. D'accord, sans problème. On verra.
Qu'est-ce que tu fais dehors à une telle heure de la nuit? Ma mère m'a chassé de la maison. Elle m'a également régné avant de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma soeur, juste parce qu'elle m'a prêté 100 naira il y a 3 jours. C'est juste à cause de ça que la femme a commencé à se quereller avec moi. Avant que je ne me rende compte, elle m'avait déjà mise à la porte. Kobi, juste à cause de 100 naira? Oui, oh! C'est sûr que tu n'as même pas entendu quand je t'ai dit qu'elle m'a régné. Oui, ma soeur, c'est ce qui me rend un peu bête. C'est sérieux? Elle t'a régné? Hey! Alors, c'est quoi ton plan? Mako, je suis fatiguée. Je t'assure, je suis fatiguée. J'ai même pensé au suicide quand je venais. Hey! Tu vois combien ça me fait mal? Non. Tu peux pas faire ce genre de choses. Qu'à Dieu ne plaise. Pardon. Ne mentionne même pas le nom de celui-là dans mes choses, s'il te plaît. Je doute même de son existence. Parce que s'il existait, je ne comprends pas comment il a pu me laisser traverser tout ce que je suis en train de traverser là maintenant. Doucement. Il n'y a personne. Je sais, je comprends. Je comprends. Alors, c'est quoi ton plan maintenant? C'est quoi ton plan? Qu'as-tu l'intention de faire? Je cherche juste où passer la nuit aujourd'hui. Ainsi, demain matin, je serai partie de ce maudit village. Tu vas aller en ville? Qui est-ce que tu connais en ville? Regarde-toi. Tu as oublié Manuela? Manuela, non. La fille de Chief Amade, celle qu'il a régnée il y a 6 ans. Oui. Ah, elle vit maintenant en ville? Oui, oh. J'ai même entendu qu'elle s'en sort vraiment. Quand je vais atterrir en ville, je vais me lancer à sa recherche. Chap, je n'ai pas de temps à perdre. Hein? Kobi, comment es-tu sûr qu'elle va t'accueillir? Et pourquoi ne va-t-elle pas m'accueillir? Es-tu sûr? J'ai compris que cette fille avait un gros cœur et un cœur dur. Qu'elle ne peut rien offrir. Elle est l'une de nous. Alors elle n'aura aucun autre choix que de nous recevoir. Nous avions l'habitude de faire le waka ensemble dans ce village. Non, elle va nous accueillir. Nous. Comme toi et moi. Toi et moi, non? Je n'irai nulle part avec toi, car tu ne plaises. Bips. Juste attends. Je dois te faire entrer dans cette maison. Parce que comme tu le sais, mon père ne t'aime pas. Alors, sois juste... Manuela, mon bébé, Chief. Tu m'as manqué. Je sais, mais calme-toi, d'accord? Pourquoi tu es si pressée? Tu ne dois pas l'être. Nous avons toute la nuit à nous. Emmanuela, ne me dis pas que je suis pressée. Tu ne sais pas combien de fois j'ai prié pour avoir cette nuit pendant que je moisissais dans ma cellule. Écoute-moi, Chief, attends. Mais ce n'est pas la première fois que nous allons avoir les rapports sexuels. Mais nous avons déjà eu des rapports sexuels plusieurs fois. Dans ton bureau, dans tes voitures, mais t'as oublié. Oh, c'est pas comme si je t'avais dans ton lit, ma chérie. Toi, tout en moi, c'est ma chérie. Viens là. Oh, c'est la même chose. Emmanuela, quel est le problème? Pourquoi fallait-il que tu me rejettes comme ça? Déesse de nudité, pourquoi m'as-tu envoyé un avertissement? Qu'ai-je fait de mal? S'il te plaît, parle-moi. Ah ouh, tu ne peux plus toucher à ce qui sommes dans ta chambre. Tu dois respecter sa dignité. Tu peux toucher à Jérémy dans son bureau, dans sa voiture, mais jamais dans ta maison, jamais dans ta maison, ni dans sa maison.
Emmanuela, pourquoi me regardes-tu comme ça et pourtant on devrait être tout de savoyer en l'air, tu vois? Nous allons avoir les rapports sexuels dans ta voiture. Tu as changé tes plans? Pourquoi est-ce que je ferais une pareille chose et pourtant j'ai de la chaleur et un lit confortable ici? Parce que je le veux comme ça, d'accord? D'ailleurs, je ne suis pas confortable à faire l'amour dans le lit. Tu es vraiment sérieuse là? Peux-tu citer combien de fois m'as-tu invité et j'ai refusé de venir? Sans te dire rien? Emmanuela... Écoute, si tu veux l'une de mes actions... tu ferais mieux de courir dans ta voiture maintenant, avant que je ne change d'avis. Ok, allons. Cours dans la voiture, c'est ce que j'ai dit. Ok, ok, comme tu veux. Time so hard, all your life, you have been struggling. You have even played your last card, yet nothing is happening. You've come to the end of the road, you're carrying so much load, you want to upload. You have lost all hope. Can you cope? You're wondering. So a chance comes and you take it, but then you are going astray because of this chance that has come your way. You have lost track, you're falling back because of your lack. Emmanuela, tu veux que je gare ici? Oui, qu'est-ce qui ne va pas avec cet endroit? C'est beau. Tu veux qu'on fasse l'amour dans une voiture garée en bordure de route à 7h de la nuit? Et si on est surpris? Fais-moi confiance, rien ne va t'arriver, tu es en sécurité. Fais-moi confiance, d'accord? En sécurité? Chi, assez parlé, d'accord? Mais... Ne t'inquiète pas, laisse-moi te montrer ce que je sais faire. Mais... Hey! Qu'est-ce que tu fais chez moi? Qui t'a laissé rentrer chez moi? Ah! Arrête de crier, non? Ah! Je vais partir maintenant même. Je m'en vais. Maintenant. Parti pour aller où? Réponds-moi. Comment es-tu entré chez moi? Comment? Qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il ici? Vois ce que ta fille a amené chez moi. Une prostituée réputée de cette ville sous mon toit. Hey! Ne m'insulte pas, hein? Ah, ah, le jour vient de se lever. Après tout, j'allais juste me baigner et quitter ta maison. C'est quoi même? Qui t'a amené chez moi? Qui t'a fait entrer? Réponds-moi! Ah, ah, papa, arrête de gronder, non? Hein? Tu sais bien que... Tu sais bien qu'elle ne peut pas être ici si elle ne l'est pas amenée, hein? Ah, ses parents l'ont chassée de la maison. Donc parce que ses parents l'ont chassée, tu as amené à tourner ma maison en un hôtel. Où tu peux amener tes amis comme tu veux, c'est ça? Stella, comment as-tu pu amener cette fille dans notre maison? Pourtant tu sais à quel point elle est vulgaire dans cette communauté. Ah, maman, elle avait besoin d'un endroit dormir, je n'ai fait que l'aider. Je vois. Je vois. Stella, combien de fois est-ce que je t'ai averti de ne jamais t'associer à cette fille? C'est tranquille. Papa, c'est la seule amie que moi j'ai dans ce village. Oh mon Dieu! Stella, donc tu es encore amie avec cette mauvaise fille? Cette fille qui t'induit en erreur depuis tout ce temps? Tu veux qu'elle t'entraîne à la mort pour que tu te sépares d'elle? Hey, écoute, j'en ai assez. Ne me suis pas, non? En fait, tu veux me chercher chez toi? Tais-toi! Tu as 60 secondes. 60 secondes! Sors de chez moi maintenant! Papa, tu veux qu'elle parte d'ici sans caleçon? Oui. Sa présence empeste. Elle a pollué toute la maison avec sa présence.
Et s'il faille que j'utilise le fouet pour la mettre hors d'ici, je le ferai maintenant. Papa, non. Non. Si Kobe part, je vais la suivre. Oui. Ah ah. Elle ne va nulle part. Ah. S'il te plaît, vas-y. Stella, vas-y. Après tout ce que tu as été pour nous dans cette maison, c'est la douleur. La douleur. C'est tout ce que tu as été ici. Bouge. Maman, tu l'as entendu? Tu l'as entendu, il a dit que je devrais partir. Oui, Stella. Tu l'as très bien entendu. Je te souhaiterais le meilleur si tu nous laisses tranquille. Ah ah! On s'est battu pour toi dans cette maison. Tout ce que tu nous as apporté en retour, c'est le déshonneur. C'est quoi ça? Il n'y a pas de problème. Je m'en vais. Je m'en vais. Va-t'en où tu veux. Reviens ici, Stella. Reviens ici. Maintenant, écoute. Si tu oses sortir de cette maison avec cette histoire, tu arrêtes d'être ma fille. Et c'est mon dernier mot. Je m'en fous. Bien. Je m'en vais. Qu'est-ce qui ne va pas, Stéphanie? Tu sais que c'est un bureau ici. Tu brises mon cœur. Comment est-ce que j'ai brisé ton cœur? Je t'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il n'y a rien entre cette femme et moi. Il n'y a rien. Vraiment? Oui. Et pourquoi je ne fais que recevoir les accusations venant de vous deux que vous sortez ensemble? Qui te raconte ces bêtises? Ils te mentent, Stéphanie. Et tu serais idiote de les croire. Mais tu as changé. Tu t'en fous déjà de moi? Je sais, bébé. Mais tu sais que je suis occupé. Je suis occupé à faire de l'argent pour nous deux. Bien, parlons donc de l'argent. Ton banquier m'a appelé hier. Il s'est plaigné que tu es parti retirer une somme de 1 million de naira. Arrête-toi là, Stéphanie. Ça signifie quoi toutes ces bêtises là? Écoute, ces bêtises vont devoir s'arrêter. Ok? Arrête de me crier dessus. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec toi et je dois le connaître. Quelque chose ne va pas avec toi, Stéphanie. Arrête de m'espionner. Si tu veux que ce mariage continue, tu vas devoir arrêter. Tu appelles ceci mariage? Ça ne ressemble même pas à quelque chose de ce genre. N'en parlons pas du mariage. Tu as changé. Mais tu n'es plus cet homme que tu étais. Tu sais quoi, Stéphanie? Je pense que ce mariage nous coûte beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on mette une pause. Quoi? Tu m'as entendu, Stéphanie? Lis mes lèvres. Laisse-moi te donner juste une petite information. J'ai trouvé quelqu'un qui peut me donner 10 fois son temps quand toi tu ne peux même pas me donner la première place. Tout ce que tu me donnes sont des maux de tête. Donc c'est vrai. Quoi? C'est vrai. Ce que j'entends. Regarde-moi dans les yeux, Benson. Dis-moi que tu me trompais. Oui, Stéphanie. Maintenant, sors de mon bureau. Je suis occupée, ok? Sors de mon bureau avant que la sécurité ne te mette dehors. Allez, sors! Ce n'est pas fini. Merci. Hey, arrête-toi là. Excusez-moi, qu'est-ce que vous dites? Je suis en train de dire arrête-toi là. Où penses-tu aller comme ça? Désolée, est-ce qu'on se connaît? Tu ne me connais pas. Mais moi je te connais. Je te connais parce que tu es l'une des personnes qui brise mon foyer. Sérieusement, je ne sais pas qui vous êtes et vous êtes déjà en train de m'insulter. Ce n'est pas toi, Emmanuela. N'est-ce pas toi qui veux éloigner mon bien de moi? Un point de correction, je ne suis pas Emmanuela, je suis Manuela.
et je ne suis pas en train d'arracher ton mec d'entre tes mains. Je ne suis pas un enfant. Je sais que tu vois Ben depuis un certain temps et qu'il te donne beaucoup d'argent. Bien, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es vraiment très méchante. Tu arraches mon mari et tu hausses le nez devant ma face. Oh bien, ma belle Fidi, je ne sais pas de quoi tu parles, donc bonne journée à toi. Bien, reste très loin de mon mari. Oh, c'est toi, bébé. Je pensais que c'est cette idiote que j'ai chassée tout à l'heure. Comment vas-tu? Est-ce que cette idiote n'est pas ta femme, Stephanie? Comment fais-tu ça? Tu l'as vue en venant? J'espère qu'elle ne t'a pas insulté parce que si elle t'a insulté, je vais... quoi? Que feras-tu, Benson? Combien de fois t'ai-je dit que je ne veux pas que tu rompes avec ta femme? Mais c'est toi que j'aime, Manuela. Je pensais que tu étais contente que je la mette hors de notre vie. Ainsi, on aura tout le temps du monde. Bien, je ne veux pas. D'accord? Je ne veux pas parce que tu m'as désobéi. Je n'aime plus Stéphanie. Je ne l'aime vraiment plus. J'ai arrêté de l'aimer depuis que tu es entrée dans ma vie. Pourquoi est-ce que tu veux que je continue à rester avec elle? Pourquoi? Parce que je le veux ainsi. Quelle partie de ça ne veux-tu pas comprendre? Tout. Tout me met dans la confusion. Tu m'aimes, oui ou non? Écoute, Benson, c'est pas très important. Ce qui est important est que tu rentres te réconcilier avec ta femme. Mais c'est un péché. Je ne peux pas garder deux femmes. Je t'ai dit ça la dernière fois. Tu me prends pour quoi? Nous avons eu une entente dès le début concernant cette relation. Pourquoi veux-tu gâcher tout maintenant? Tout ceci apporte vraiment beaucoup de confusion. Comme là maintenant, je ne sais pas quoi faire. Je vais te dire ce que tu dois faire. Rentre chez ta femme. Je lui ai déjà dit que je ne l'aimais plus. Que c'est toi que j'aime. Va et ment à ta femme et dis-lui que tu l'aimes tellement. Dis-lui que tu as fait une erreur. Dis-lui n'importe quoi. Et rassure-toi qu'elle t'accepte. Écoute, si tu veux qu'on continue avec cette relation, je suggère que tu rentres vers ta femme. Dis-lui quelque chose pour la convaincre, sinon, oublie-moi. Quoi? Putain, putain, je suis dans des problèmes. Très grand problème. Il demande trop l'argent. C'était beaucoup. L'argent était beaucoup. Ah, c'était trop. Nous n'avons même pas la moitié. Même si nous sommes vraiment décidés, quelle est même cette façon de taxer? Tiens. De toutes les façons, je suis contente que nous soyons en train d'aller voir Manuela. Sinon, je vais vraiment me sentir seule. T'en fais pas, on va s'amuser, je t'assure. Sœur Kobe, c'en est trop et j'ai peur. Ah ah, hé, qu'est-ce qui te dérange maintenant? Kobe, on n'a aucune qualification ici. On n'a rien, tu vois, il n'y a rien. On n'a rien à prendre aucun boulot. Regarde-toi. Cesse de parler comme une novice. Je ne suis pas allée à l'école, je ne suis pas allée à l'école. Tu veux quoi avec la qualification? Lorsque tu as la qualification naturelle. S'il te plaît, ne mets pas le sable dans mon tapioca, je t'en supplie, ma faux. Ok, bien. Comment allons-nous partir d'ici, hein? Parce que l'argent qu'on n'a pas nous permet d'aller où on va. C'est ma seule préoccupation. Mais tu sais quoi, hein? Ne t'en fais pas. Regarde, plaçons nos biens. Si tu te tiens bien et fais un bon poster, on ne sait jamais. L'un de ces gars qui passe peut nous porter, on ne sait jamais. Tu es sûr? Sûr? Tu as déjà oublié ce qu'on faisait au village. Hein? Tu sais que tous ces gars se sont fous. Hein? Plaçons-nous bien. Hein? C'est quoi? Tiens-toi bien. Hein? Soulève-moi ça. Ah, tu ne comprends pas. Souris. Ne nous chasse pas les clients ici, s'il te plaît. Ah, non, wow. Ça ne marche pas. Regarde.
time so hard. All your life you have been struggling. You have even played your last card. Yet nothing, nothing is happening. You've come to the end of the road. You're carrying so much load. You want to upload. You have lost all hope. How can you cope? You're wondering. So a chance comes and you take it, but then you are going astray because of this chance that has come your way. You have lost track. You're falling back because of your lack. Cannot resist, so you're plunging, seeking fame and fortune. You died in not finding that it could hurt you, hurt you so bad. It's just a matter of time. Oh, and you will do the time, because from the start you went the wrong. Because from the start you went astray. What will it profit you to gain the whole world and lose your soul? Ooh. What will it profit you to gain the whole world and lose your soul? Penses-tu pas qu'on peut même coucher avec eux? Nous sommes là pour voir Manuela et pas ça. Arrête ça! Hey! Mais ils ne sont pas malos. Mais ça sera pas mauvais de coucher avec eux. Hein. Tu sais très bien que ça fait trop longtemps que je n'ai pas couché avec un homme parce que je l'aime, mais parce que je veux prendre de l'argent. Ça ne me dérangera même pas de coucher avec tous les deux. Kobe, j'ai assez de temps pour coucher avec tous les hommes de cette ville. Mais maintenant, nous sommes là pour voir Manuela et pas ça. Tu as raison. Pour une fois, la maison Kobe, là, elle est où? Je ne te l'ai même pas demandé. Comment es-tu sûre? Comment sais-tu que Manuela est encore ici là? Hé! Hey, regarde l'autre ici. Oh. Tu oublies comment les gens font le Congo sur le village. Je suis renseignée. Oh. Je le suis. J'espère juste que cette ville va permettre qu'on puisse en sortir pour que quand on rentre, on parle montrant à nos parents qu'on était capable de faire quelque chose. Ne t'en fais pas. Tu t'inquiètes trop. Tout ira bien. Nous y retournerons et nous leur montrerons. Qu'est-ce que tu racontes? Seulement... Laisse-moi regarder. Est-ce que... Demandons-lui. Excusez-moi, oh. Excusez-moi, désolé. Ne vous fâchez pas. Nous cherchons cette maison. Ici. Hi. Merci. Nous sommes arrivés, oh. Nous sommes arrivés. Merci. Allons-y. Merci.
Kobe, tu es sûr? Oh mon Dieu! Tu ne peux pas laisser ce sort, ma fille. Si tu le fais, tu mourras. Ça sent les femmes. Je sais, déesse de nudité. Mais c'est pas ma faute. Je n'ai jamais demandé à cet homme de laisser sa femme. Ça ne concerne pas l'esprit, ma fille. Si tu comptes rester dans cette classe de femme, accomplis ça pour moi. Déesse de la nudité, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Je te sers fidèlement depuis 4 ans. S'il te plaît, tu dois m'aider. Non, ma fille. Tu m'as promis toujours m'obéir. De me donner l'absence en échange de la richesse. De ne jamais coucher avec chez toi. Jamais. Déesse de la nudité, que veux-tu que je fasse? Dis-moi quoi faire, je ne sais que faire. Ça ne concerne pas les dieux. Tu dois le faire avec chez sa femme. Tu dois le faire avec chez sa femme. Hey, c'est la maison ici. Je suis impatient de voir cette fille. C'est pas fermé. Hey. Nothing is happening. So hard. All your life, you have been struggling. You have even played your last card. Yet nothing, nothing is happening. You've come to the end of the road. You're carrying so much load. You want to offload. You have lost all hope. How can you cope? You're wondering. So a chance comes and you take it. But then you are going astray because of this chance that has come your way. You have lost track. You're falling back because of your lack. What will it profit you to gain the whole world and lose your soul? And lose your soul because you want to make it. You're willing to risk losing your soul. What will it profit you to gain the whole world? What will it profit you? Hey. So, yes, the good life is sweet, and you cannot resist. So you plunge in, seeking fame and fortune. You dive in, not minding that it could hurt you. Hurt you so bad. Help! Manuela! Hey. Manuela! Manuela, tu es tellement belle! Regarde-la! Maman Lanka est branchée. Arrêtez ça. Attendez, qu'est-ce que vous faites ici? Hey Manuela, pourquoi? Non, qu'est-ce que vous faites ici? Manuela, c'est Stella et Kobe, tu te souviens plus de nous? Je sais qui vous êtes. Ce que je veux dire, c'est comment vous êtes arrivé chez moi. Pourquoi tu cries? Pourquoi ne vais-je pas crier? Comment êtes-vous entré chez moi? Et qui vous a ouvert le je portail? Je pensais que tu allais nous saquer. Pourquoi tu nous traites comme des mosquériens? Comme si tu ne nous connaissais pas, comme si... Déesse de nudité, je me mets en route. Je m'en vais. Oui, je m'en vais. Mayana, on n'est pas... On n'est pas... Quelque chose ne va pas dans sa tête. Mayana, laisse-moi lui parler. Quelque chose ne va pas dans sa tête. Vous devez vraiment me dire ce que vous faites ici. Vraiment. Attends.
cette manière-là. Je te l'avais dit, je te l'avais dit, regarde. Pardon, laisse ça. Qui est-elle? Qui est-elle? N'importe quoi. Si elle veut même, en fait, je ne vais même nulle part. Je reste ici, je l'attends. Je ne veux pas, elle ne nous a même pas accueillis. Hey, pardon, laisse tomber ça, hein. Elle crie sur qui? Elle crie après qui? Ah, je vais lui dire ce que j'ai sous le cœur, hein. Mais attendons-la ici. Attendons qu'elle revienne, asseyons-nous ici. Koubi. Manuela, qu'est-ce que tu fais ici? C'est un bonheur de quoi? T'as aimé? Tu blagues ou quoi? J'ai aimé ça. J'en veux même encore. Je suis juste surpris. Parce que ce matin, tu étais ici et tu me criais dessus. Oh bien, plus de bagarre alors. J'ai bien réfléchi et je pense que je voudrais que tu le fasses d'une autre manière. Je comprends pas, que veux-tu dire? Je ne veux pas que tu quittes Stephanie. Je ne veux pas que tu lui brises le cœur. Ok, si c'est ce que tu dis. Parce que je t'aime, d'accord? Et j'ai l'envie de te dévorer. On peut pas le faire ici. Non, ça n'a pas d'importance. Quelqu'un pourrait nous voir là. D'accord. Entrons dans la maison de la fille ici. Entrons dans cette maison. Cassons la porte et entrons là. Entrez où, Koubi? Entrez où? Tu n'as pas vu la façon dont elle nous a traités tout à l'heure quand elle partait? Tu n'as pas vu? Elle n'a aucun droit de nous traiter comme ça, non? Ah ah, nous sommes amis, non? Et alors? Tu vas la forcer à nous traiter comme des amis? C'est évident qu'elle a rejoint un lieu différent. Pardon, 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 pardon. Quoi? Quoi même? Hein? Et qui t'a dit que c'est le chez-elle ici? En ce qui me concerne, elle est toujours la Manuela que nous avons connue au village. N'importe quoi. Koubi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'appeler les deux gars qui nous ont amenés ici. Laisse qu'on aille passer la nuit avec eux. Jamais. Je ne quitterai pas d'ici. Nous allons l'attendre ici et nous allons nous parler face à face. Je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas les problèmes. Ah, tu penses au fait qu'elle peut rentrer là et nous dit de quitter sa maison tard dans la nuit? On ne connaît même pas cette ville. Où allons-nous dormir? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Dis-moi! En ce qui me concerne, je suis celle qu'elle a introduite dans le Waka, au village. Si elle a réussi dans cette ville, c'est parce que je lui ai ouvert les yeux. Je suis comme sa patronne, alors elle doit me donner ce respect. Ah ah! Je ne vais nulle part où. Tu vois cette fille? Si elle revient ici, elle ne va pas aimer ce que je vais lui faire. Elle n'a aucun droit de me parler ainsi. C'est quoi? Koubi, je te l'ai dit. Je te l'ai dit, mais regarde qui arrive. Pardon. Koubi, je te l'ai dit. Tu as insisté, la ville. Voilà, nous sommes en ville, mais nous sommes dehors. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh Dieu. Tu as accompli le travail, ma fille. L'esprit a agréé. Vous me supprimez, oh. Comment vous avez fait pour arriver ici? Sérieusement? Ce sont les questions que tu vas nous poser après que tu nous aies traités de la façon dont tu l'as fait? Après nous avoir abandonné comme si tu ne nous connaissais pas? Ha! De toutes les façons, ta tante qui vit ici en ville nous a donné ton adresse. Et nous a dit que tu vas dans cette ville. Que tu as beaucoup d'argent et que tu vis dans une grosse maison. Ha! J'ai toujours su que ma tante bavardait trop. De toutes les façons, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que nos parents nous ont mis à la porte. Alors nous sommes venus te voir. Afin que tu trouves un moyen d'améliorer nos vies, c'est tout. Arranger vos vies? Ok. Et comment ça se fera? Non, attendez un peu. Est-ce que vous essayez de venir rester ici avec moi? Manuela, il y a un problème à cela? Est-ce que ça va bien? En tout cas, c'est impossible. D'accord? Mais je peux vous faire une faveur. Je peux vous amener dans un hôtel pour que vous vous reposiez. Mais je ne suis pas obligée de le faire.
Vous avez droit de l'accepter ou vous avez droit de faire vos choix. D'accord? Si vous ne voulez pas ça, alors je vous dis adios. Salut les filles. Je viens de payer une facture d'un mois pour vous, y compris vos repas et tout ce dont vous aurez besoin. Manuela, merci beaucoup. Merci. S'il te plaît, va-t'en. Pourquoi? Pourquoi tu parles de la sorte? Je suis sûre que vous serez très confortable ici. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas pu nous recevoir dans ta maison. Ah, Manuela! Je ne m'attendais pas à un tel traitement de ta part. Écoute, Kombi, je suis très contente de vous voir, Stella et toi. D'accord, mais mes mains sont liées que je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre ou vous entrer chez moi. Oh Dieu, pourquoi ça? Non, dis-moi. Oh, je vois. Ok, est-ce à cause des gens dont tu parlais avant que tu ne quittes ta maison en courant? De quels gens parles-tu? Pardon, ne trompe même pas. Ah, c'est quoi? Écoute, nous avons l'habitude de marcher ensemble. Parle-nous, non? Parle-nous, nous sommes des amis, parle-nous. Je suis désolée, Kombi, mais je ne peux pas te parler. Hein? Tu ne peux pas me parler. Manuela, tu as l'air d'avoir oublié tout ce que j'ai fait pour toi dans le passé. Manuela, je t'ai introduit dans le Waka. J'ai fait de toi une femme influente au village et c'est ainsi que tu peux me remercier. Voyons, est-ce que tu appelles ce qu'on faisait là au village une vie? Oh, s'il te plaît, nous étions juste dans la servitude. Donnons notre corps aux hommes qui ne pouvaient même pas nous payer. Non, tu sais, après avoir écarté tes jambes et pris leur argent. Manuela, s'il te plaît, n'agis pas comme si tu étais meilleur que nous. S'il te plaît, ne le fais pas. Tu sais quoi? Je ne sais pas pourquoi tu me parles de cette façon, Stella. Pourquoi? Parce que je viens de payer une facture d'un mois dans cet hôtel luxueux. Pouvais-tu le faire? Non! Je peux acheter n'importe quelle voiture de mon choix. De moi-même, même si je le veux maintenant. Vous avez vu le style de maison dans laquelle je vis? Je l'ai bâti avec mon argent. Alors que voulez-vous dire? Et comment pouvez-vous comparer ce qu'on faisait au village à ce que je possède maintenant ici en ville? Je suis à la une et mieux payée que les grands hommes de cette ville. Ok, Manuela, nous ne sommes pas là pour nous battre avec toi. Nos parents nous ont mis à la porte comme les tiens l'ont fait. Nous sommes ici pour trouver comment survivre. Nous avons besoin de ton aide. Est-ce une mauvaise chose? C'est d'accord. Je vais vous aider à survivre. Oh mon Dieu! Merci! Oh merci! Maintenant, elle parle! Maintenant, tu parles, tu vois! Oh mon Dieu, j'ai envie d'être comme toi! Ok, demain matin, je vais venir vous prendre et je vais vous amener dans le bureau de l'un de mes petits amis. Et je suis sûre qu'il va vous trouver un emploi dans l'entreprise. Hein? J'ai tantôt dit que je vais... Pardon. Je ne suis pas sourde. Je t'ai bien entendu. Mais merci. Tu t'es débrouillée. Mais pardon, mets-toi à la porte avant que je ne m'énerve. Vas-y. Manuela, s'il te plaît, va-t'en. Va-t'en, s'il te plaît. Laisse-nous tranquille. Hein? Laisse-nous en paix. Hein? Va-t'en. C'est inimaginable. Oh mon Dieu, nous trouver du travail. Kobe, on est fini.
madame. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre. Mais j'étais occupée avec un de nos clients. C'est d'accord, Maria. Tu vois ces filles que j'ai logées dans la chambre 103? Oui, madame. Je voudrais que tu les surveilles de très près. Surveille leurs faits et gestes. Sache ce qu'elles font avant même qu'elles ne pensent à le faire. Madame, je ne vous comprends pas. Comment suis-je supposée savoir ce qu'elles vont faire avant même qu'elles ne pensent à le faire? Je suis Dieu. Essaye d'être intelligente, Maria. Ce que j'essaye de dire, c'est ne les perds pas de vue, d'accord? Surveille leurs mouvements, où elles vont et quand elles reviennent. Qu'est-ce qu'elles font avec leur temps et qu'est-ce qu'elles mangent? Avec qui elles s'associent? Je veux connaître tout. Il n'y a aucun problème, madame. Vous pouvez compter sur moi. Je l'ai déjà fait auparavant. Si ce n'est pas moi, Maria, je vous donne ma parole. À chaque minute, je vous informerai de tout. Je sais que tu es une très bonne fille, d'accord? Aucune erreur n'est permise. Tiens-moi informée de toute action de ces filles. J'ai compris. Je ne vous décevrai pas. D'accord. Tiens ceci. Attends-toi plus quand je reviendrai dans quelques jours. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Merci. De rien. Bonne Merci soirée. Merci beaucoup, madame. Je ne vous décevrai pas. Merci, ma. Au revoir. Time so hard. All your life. You have been struggling. You have even played your life. Tu es arrivée à l'heure. Ok, allons-y. Bitch, tu n'as même pas dit où on partait. Mon Dieu, ces téléphones sont tellement hauts. Il m'a presque mis dans les problèmes avec ma mère. J'étais obligée de mentir que c'est la radio du voisin qui est en train de jouer. Dieu, ce téléphone m'a mis dans les problèmes. Tu sais quoi? Quelquefois, on ne sait même pas ce qu'on doit dire à nos parents juste pour nous débarrasser de... Tu es une mauvaise fille. Alors, où allons-nous? Ma copine, l'une des filles du groupe a son anniversaire aujourd'hui. Je pense que c'est le moment opportun pour que tu rencontres chacune de nous. Oh mon Dieu, c'est si intéressant, mais... Tu m'aurais averti, j'aurais apporté quelque chose de la maison pour porter. Mais, la fille, si, tu n'es pas facile, oh. Tu aimes trop te faire voir. Ah, c'est quoi? Donc, avec tout l'argent que tu as, tu ne sais pas quoi faire. Pardon. On va faire le shopping, ok? Tu vas t'acheter de nouveaux vêtements pour la fête. D'accord. Okay. Alors tu vas d'abord me suivre à la maison. J'ai besoin de prendre un peu d'argent. Et aussi j'aurais besoin de donner un peu d'argent à une amie. Ça va, allons-y. Babes, je crois que je dois commencer à prendre les cours de conduite. Pourquoi? Babes, je dois commencer à conduire ma voiture pour que les gens de ce quartier voient. Oui, je suis maintenant une nouvelle Stella. Tu dois être très prudente. Ok, fais attention. Je ne pense pas que tu veux t'attirer d'attention inutilement. Et tu connais ces personnes, elles parlent. Kobe, laisse-les parler. Je m'en fous d'eux. Je n'ai pas peur d'eux. Hein? Je ne veux pas me gêner. Pourquoi je devrais me gêner? Non. Non. Dis-moi, à quoi ça sert d'avoir une voiture si on ne la conduit pas? Je n'arrive pas à croire que c'était toi que je supplie de me joindre dans le groupe. Et tu me racontais que tu es née de nouveau. Toi, hein? Je te... Ce n'est pas de ma faute, non. Il faut blâmer Dieu. Blâme Dieu. Je lui ai donné 3 jours. 3 jours pour me prouver qui il est. Mais maintenant, c'est le Dieu de la nudité et moi. Allons-y. Je te soupçonne, oh. C'est ça. Ne te gêne pas. Continue à me suspecter. C'est ça même. Maman Kechi, ma soeur, comment tu vas? Je vais bien, ma soeur. Et toi aussi, comment tu vas? Nous remercions Dieu. Il a été très bon pour nous. Et nous n'avons aucun autre choix que de le louer. Ça, c'est vrai, ma soeur.
Hier, à l'église, il y a quelque chose que je voulais discuter avec toi. Mais ton mari et toi, vous êtes parti si vite. Vraiment? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, ma soeur. C'est plus que ça. En tant que mère, je n'ai que devoir de veiller sur nos filles. J'espère que si tu vois l'une de mes filles mal se comporter, tu vas attirer mon attention. Quel est le problème? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ma fille Stella? Ma soeur, oui. J'ai vu ta fille Combi. C'est immoral de fille. Je connais Combi. Mais je suis très surprise que tu dises que ma propre fille, une chrétienne née de nouveau, a un quelconque lien avec ce genre de fille. Ça, c'est impossible. Je sais que tu ne peux pas me croire. Je sais. En tout cas, parle-lui, ok? Parle-lui. C'est d'accord. Je le ferai. Hmm? Merci beaucoup. Je vais vite arriver au marché là-bas. Tu es intéressant. Merci beaucoup. Merci. Bye. Cette femme, elle ne s'occupe pas de ses affaires. Maintenant que ma fille va apporter de grandes choses dans la famille, les méchantes personnes veulent détruire cela. Dieu, délivre-nous des mains des méchants. Mes chères jeunes filles, vos parents ont bien fait de vous envoyer chez moi pour que je vous vienne en aide en changeant vos vies. Les gens là-dehors m'accusent de beaucoup de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, j'ai commencé ma fondation à nourrir plein de filles. Comme vous pouvez le voir de vous-même. Quand elles sont arrivées ici, elles étaient comme vous à présent. Mais aujourd'hui, elles sont maintenant des personnes influentes dans la société. Voulez-vous être comme elles? Oui, madame. Bien. Ce que vous aurez à faire, c'est d'écouter et faire tout ce que je vais vous demander. Dans cette fondation, je suis la femme appelée Dieu. Je suis le Messie proclamé. Alors, vous devez me voir comme votre Dieu. Je ne vais jamais vous laisser dans la perdition. Ce que je veux, c'est que vous ayez un peu de vie et être tout ce dont vous voulez dans cette vie. Ça, c'est ce que je veux. Est-ce clair? Oui, madame. Nous ferons comme ce que vous avez dit. Bien. Désolée, madame, pour le retard. La distance de où on habite pour ici est très loin. C'est bon, c'est bon. S'il te plaît, attends à côté. Laisse que ta fille le joigne. Merci, madame. C'est bon, c'est bon. Je vais les amener dans l'une de mes boutiques là où elles travailleront à India Street. Merci, madame. Merci.